Réaction. Isabelle regardait le magnéto comme une petite fille. Moi, chaque fois que j'entends sa voix, ça me fait la même chose. Ouais. J'ai toujours envie de... Elle a cette éclaircie toujours dans les yeux. Quand elle chante, elle est toujours transfigurée. C'est une femme qui pouvait prendre tous les visages et ouais. toutes les voix et les faire passer comme ça. Mais c'est rare, des gens comme ça. Il y en a un tous les 1000 ans, une tous les 1000 ans, je pense. Wow. Isabelle, dès demain jusqu'au 26 février, c'est l'Olympia. Oui. Trac? Faut pas trop m'en parler. Oui, j'ai le trac. Et je constate que plus j'avance, plus j'ai le trac. Je me disais, mais en même temps, ça fait partie de ce métier-là. Il faut jamais être trop confortable. Et moi, je suis toujours assise au bord de la chaise. Je me cale jamais dans le fond parce que c'est une façon de parler, mais c'est vrai que c'est périlleux. Et en même temps, quand le trac cède la place au plaisir, c'est comme une rivière. Et et je suis contente de pouvoir revenir à l'Olympia. Ça fait presque un an que je ne suis pas montée sur scène. La dernière fois ici, c'était les 30 et 31 mars au Palais des Congrès à Paris, oui. L'année dernière. Voilà. Alors, vous savez, Isabelle, que la légende des voix met en lumière les voix d'aujourd'hui, d'hier, et puis celles de demain. Oui. Et donc, vous êtes une petite marraine aujourd'hui. Oui, ça me fait très, très plaisir de l'être, parce que la personne qui va venir sur scène est quelqu'un, pour moi, c'est quelqu'un qui va s'inscrire, je pense, dans la durée, parce que c'est une auteure, une compositeur et une interprète, et c'est quelqu'un qui a une voix unique et qui a une manière de chanter qui lui appartient, qui est singulière. C'est quelqu'un qui est déjà bien dans les chansons. C'est quelqu'un qui m'apparaît serein et elle chante comme elle respire. Donc voilà, Lorraine Faure. Écoutez, après tout ce qu'on vient d'entendre, je crois qu'on n'a qu'une seule envie, mais c'est de l'écouter. Lorraine Faure. Froide voix monocorde tombant des haut-parleurs, horloge qui rassure ou bien qui fait peur, et sur le vieux mûri au-dessus du dormeur, la photo du pays de l'éternel ailleurs, quelques papiers froissés jetés sur le bitume, ces regards qui se perdent, ce mort qui s'embrume, aux souvenirs lointains d'anciennes retrouvailles, à la pensée de l'autre, à l'autre bout du rail. Que l'on prend,
Bonsoir. Bonsoir Lorraine. Quand on démarre comme ça, quel effet ça fait de se retrouver comme ça devant un public qui est debout ? Ça fait chaud au cœur, mais ça, évidemment, j'ai le trac puisque c'est ma première apparition télévisée, donc c'est tout un passé de chansons, de recherches, de combats qui se finalisent ici, ce soir, et ça représente, au-delà de cette chanson, beaucoup pour moi. Écoutez. Isabelle, quel conseil vous pourriez donner à Lorraine, qui donc démarre sa carrière, s'il y avait un petit conseil, le primordial ? Oh mon Dieu. Il faut bien travailler. Ben oui, il faut travailler, il faut être tenace, il faut se préparer à rencontrer parfois quelques adversités. Mais je pense que ce qu'il faut toujours regarder, c'est... Il y a toujours une partie de nous qui reste intacte et secrète. Et donc, ce que je lui conseillerais, mais je pense qu'elle le sait déjà, c'est de garder cette part-là d'elle-même qui n'appartient qu'à elle et la cultiver tout le temps. Donc, je pense qu'avec ça, elle devrait pouvoir grandir et croître et ne jamais abandonner. Merci infiniment Isabelle, merci Lorraine Faure. Avec nous maintenant un artiste unique en son genre, il a fait un retour triomphal.